Bonsoir, cher Frank. Je me présente, je suis Guy Akar, de la page Facebook Le Cœur du Panafricain Top Model Plus Premium et de ma chaîne YouTube. En réalité, c'est la première fois que je me présente devant vous pour faire cette vidéo. Vraiment, ça met du temps sans que je ne me présente officiellement. Je le fais aujourd'hui parce que tous ensemble, nous avons constaté que la culture ébène, qui est la mode africaine, a déjà refait surface et vraiment ça a pris de l'ampleur, comme on le dit vulgairement, le dehors. Autrefois, la mode étrangère avait pris le dehors, on retrouvait des vêtements, c'est beau, oui, mais à cette époque, nous avons perdu nos valeurs. Pas y avait perdu sa valeur. Ce soir, ma vidéo a eu juste pour but d'expliquer pourquoi j'ai créé le cœur du Panafricain Top Model Plus Premium. Si j'ai créé ce concept, c'est parce que je veux revaloriser et promouvoir la culture ébène, fashion, qui est le pagne. Parce que j'aime le pagne. Nous ne pouvons pas passer quelque part sans apercevoir une personne en mode de pagne. Non. C'est ça qui fait de nous les Africains. La preuve, dans nos manifestations familiales, dans nos cérémonies, différentes cérémonies, que ce soit funèbre, que ce soit de joie, il y a toujours pagne qui fait surface et qui est toujours apparent. Et je remercie beaucoup les tailleurs, modélistes, stylistes et brodeurs, parce que c'est grâce à eux aussi, aujourd'hui, le pagne a regagné sa place. Je dis merci. Mon concept a juste pour but de présenter le type de modèle, différents types de modèles à mon pain. Toutes ces vidéos que vous voyez en ligne, que je publie, c'est ça le but. Revaloriser le pain. Et derrière, moi, j'en fais partie des mannequins. Donc, redonnons vie au pain. Moi, j'ai aimé la vidéo de Toufan avec Almok, Dati de Wood. Donc, vraiment, c'est grandiose ce qu'ils ont fait. Comme un héritage, nous donnons vie au paille. Ils ont compris, les Africains comprennent aujourd'hui que le paille fait partie de notre vie, fait partie de nos histoires. Je vous remercie et à très prochainement. I love many Africans.